Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 22e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui on reviendra surtout sur les deux grands événements qui ont marqué le week-end, à savoir le championnat national de judo dominé par le GS Pétrolier et le championnat national de cross-country Kenzad Ahmani qui récupère son titre alors que Rabah Aboud de la sélection nationale militaire il s'est offert son cinquième titre dans son palmarès. Les demi-finales de Dame Coupe en volleyball, les pétrolières et les filles du MBB Jaya se donnent rendez-vous pour la finale alors que chez les garçons GS Pétrolier, NR Borj Vahid et MBB Jaya Olympique Milia, ce sont les deux affiches des demi-finales et puis on fera le point comme chaque lundi, c'est devenu une habitude bien évidemment depuis un mois déjà, sur les assemblées générales électives et ordinaires, tout cela, tout ce programme avec nos invités et nos confrères, j'allais dire nos confrères, oui c'est nos confrères puisque nous avons le plaisir à chaque lundi de retrouver notre ami Abdelmoud Boukhem, notre consultant et notre collègue messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir amis sportifs. Bonsoir Mokhtar, bonsoir. Bonsoir, oui. C'est un plaisir de vous retrouver chaque lundi. Pour ce 22e numéro, nous avons le plaisir de recevoir deux grandes personnalités du sport algérien. En l'occurrence, monsieur Rachid Laras, actuel président de la Fédération algérienne de judo. Bienvenue et félicitations pour votre élection. Merci, bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est un honneur que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Et pour le nostalgique, ce sera certainement un grand plaisir de le retrouver sur notre plateau. Monsieur Mohamed Sir Djoudi, ancien entraîneur national de l'équipe nationale féminine de handball, qui a pratiquement réalisé le meilleur du handball féminin avec l'équipe nationale de 78, les Jeux africains. Et Cotonou, 96, c'était les championnats d'Afrique. Première place Jeux africains et deuxième place à Cotonou. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est un plaisir, les téléspectateurs se feront un réel plaisir de rester branchés sur Canal Algérie pour suivre le débat et prendre connaissance de l'actualité, les faits marquants de l'actualité. On va commencer par monsieur Laras, déjà je vous ai dit félicitations, vous retrouvez la famille de judo en tant que président puisque vous étiez président de la Ligue algérienne de judo et là vous reprenez vous prenez la succession de M. Moussaoud Mati avec comme premier objectif réunifier la famille du judo algérien. Oui, ce que j'ai fait cette semaine, on a organisé le championnat national, ce qui m'a vraiment réconforté, c'est d'avoir rassemblé toute la famille du judo. C'est un point très positif. On a remarqué que ça fait exactement une quinzaine d'années, il y a des grands judokas, pendant 15 ans on les a pas vus, on les a vus au championnat national, c'est un plaisir, et même de rassembler nos ex-ministres, ouais. C'est un plaisir, et moi on aurait de leur présence, c'est une première, c'est notre objectif, c'est de rassembler la famille. Et surtout de planter le décor de votre mandat 2017-2020. Ouais. Mais dans l'ensemble, la famille du judo s'est épanouie cette semaine par le rassemblement. Et pas loin de là, à la salle de Harsha, il y avait le lendemain, le samedi, il y avait l'autre famille, celle du handball qui était cette fois-ci réunie avec ce geste, l'amical des anciens. Monsieur Djoudi, déjà, on avait à voir de vos nouvelles. Déjà, ça fait depuis 96 les téléspectateurs, ceux qui suivent de très près le handball, n'ont pas de vos nouvelles. Ben oui, depuis 96 à Cotonou, on a été vice-champion. Et
Et on a raté, de toute façon, la finale. Je peux vous raconter cette anecdote parce que la veille de la finale, un bruit a couru dans les couloirs de l'hôtel que les passeports des filles étaient perdus. Et les filles l'ont entendu, elles n'ont pas dormi toute la nuit. Toute la nuit, on n'a pas fermé l'œil. C'était pour déstabiliser les... Je pense que c'était peut-être ça le but, d'autant plus que c'était la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire qui était à notre portée. Mais toujours est-il qu'elles ont quand même terminé finaliste et qualifié au championnat. Par la suite, j'ai pris ma retraite. Ouais. J'ai continué à suivre le handball national. J'ai entraîné par la suite des clubs. J'ai fait deux expériences avec le GSP en fille, en 2014-2015. Et puis j'ai arrêté pour aller faire une expérience au niveau du Sud, il y a 2 ans. Et depuis, je suis à la maison. Et Abdelmoud Bekhel, bien évidemment, que vous connaissez, il connaît surtout votre palmarès, puisqu'il a pratiqué le handball, l'athlétisme et pas mal de sports. Abdelmoud. Oui, moi j'ai eu ainsi le privilège de connaître M. Djoudi, qui a été aussi mon enseignant au CNEPS de Melaknoun dans le cadre de mes études de professorat en handball. Malgré son retrait qui a perduré ces dernières années, parce que très certainement, il a été un peu déçu compte tenu de la tournure un peu des événements qui ont caractérisé la grande famille du handball. Monsieur Djoudi restera toujours, malgré son retrait, comme je le disais, un nom indissociablement lié au handball algérien. Il a été un peu le précurseur du handball féminin algérien. C'est lui qui a été un peu le pygmaillon de pas mal de joueuses de l'élite nationale à qui il leur a permis de mettre le pied à l'étrier. Je suis un peu navré de savoir que M. Djoudi n'arrive pas à donner un peu plus au handball algérien compte tenu un peu de son éviction un peu forcée. Mais je tiens toujours à dire que M. Djoudi restera quand même un nom qui a permis au handball féminin algérien d'écrire quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du handball algérien. Alors, le meilleur du handball algérien, à savoir les Jeux africains de 78 avec cette belle médaille d'or et les Jeux de plutôt le championnat d'Afrique de Cotonou au Bénin. Et vous étiez un précieux témoin de la télévision algérienne. Oui, c'est vous qui étiez. Non, mais vous avez suivi. Pratiquement, c'était une deuxième expérience pour les filles, parce qu'il y a eu l'équipe de la première équipe nationale. Si on parle de la première équipe nationale, peut-être M. Djoudi, avant 78, il y avait des anciennes filles qui ont commencé comme Fella Kayouche, comme Sassi. La médaille d'or de 78 n'est pas une... Ce n'est pas le fruit du hasard. Il y avait d'abord le travail du sérieux, de la continuité et du travail surtout. Mais la planification était très importante à ce niveau-là. La préparation a commencé en 67. C'est là qu'on a commencé avec comme objectif, d'abord des jeux scolaires universitaires, 68. Pour arriver à 78 pour les Jeux africains. Donc on a passé un travail à long terme, 10 années, ça va se faire. 68, la première médaille d'or décrochée par les cadettes. 70 à Tunis, médaille d'or par les seniors. 72 à Tunis, à 72 à Casablanca, médaille d'or aussi encore chez les seniors. Et 74 encore une fois à Alger, les Jeux sportifs scolaires universitaires. Mais on a continué sur cette voie-là. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce n'est pas un hasard. Le travail a été constant. Bien élaboré. Et 78, l'apothéose. Ensuite, il y a eu un creux entre temps. Mais quand on m'a rappelé pour passer à la 16, j'ai relancé l'équipe. Je suis un citoyen prêt à rendre service au mouvement sportif national. On m'a rappelé en 96. Et la suite, vous la connaissez. C'est la politique qu'a adoptée à l'époque, le travail à long terme. Et moi, M. Lara, c'est le fruit de cette politique, puisqu'il a été champion d'Algérie chez les jeunes catégories, champion d'Afrique à plusieurs reprises. Et là, vous représentez au niveau de la Fédération algérienne de judo avec cet objectif, le travail à long terme, vous aussi. C'est normal, c'est le travail. S'il n'y a pas de travail, il n'y aura pas de résultat.
Non, mais des fois, on a tendance à chercher rapidement le résultat. Et... Non. Notre objectif actuellement, c'est de restructurer la direction technique et l'administration. Peut-être que c'est pas mes premiers prérogatives pour... Des terrains solides, des terrains... Je dois... Avec beaucoup de techniciens. Oui, j'ai fait appel... Là, vous êtes en phase d'observation. Je suis en train d'observer actuellement, oui. Ouais, je suis en train d'observer actuellement et de contacter les anciens. On est obligé d'emmener la compétence. Très bien. La compétence, c'est ce qu'on va découvrir dans très peu de temps. Juste on fait un détour par la salle de Cheraga. D'habitude, ça se déroule à Hacha. Pourquoi le choix de Cheraga? La salle Hacha, elle était réservée à d'autres activités. Ouais. Et même la salle de Cheraga s'y prête. On a choisi la salle Cheraga. Très belle salle. Très belle salle. Donc on va revenir sur le championnat national de judo. C'est les seniors, messieurs et dames, dominés encore une fois par le GSP. Compte rendu signé Nessim Aimlou. Voilà, c'était le jingle événement. L'événement, bien évidemment, c'est le championnat national de judo et le championnat national de cross-country. On va commencer par le judo avec les meilleurs moments, avec ce compte-rendu signé Nessim Aimlou. Championnat d'Algérie individuel senior du judo disputé durant deux journées. La compétition elle avait un niveau vraiment acceptable et on projette, Inch'Allah, on peut avoir des résultats à l'avenir. C'est des athlètes qui sont perfectibles. La moyenne d'âge, elle est entre 19 ans et 21 ans. Et on a quelques-uns dans Ben Hamadi et Bou Yaqoub qui sont âgés de 31 à 33 ans. Mais on a de l'espoir pour la sélection nationale. Certaines ligues n'ayant pas participé au championnat régional étaient présentes dans la compétition avec l'accord du nouveau président de la fédération qui s'est félicité du bon déroulement et de la bonne organisation de l'échéance qualifiée de réussite. يتهدفوا غيري دي مولا اكدو خا منا اساس تهدوغ الكلوبينو جي سي تي تي سي تادا اقبيم وتهدوغ الكلوبينو جي اس بي دل المنافسة كانت قوية واللي وين دخلوا كامل المصارعين الجزائريين بقوة وحضروا لها بكم كل طرق كل مجهودات تاعهم حضروا لها والحمد لله ربي وفق كل المنافسين اللي تعبوا داو حقهم في هذه البطولة. البطولة في مستوى النهائي تاعي كان مليح، دخلنا جولدن سكور، درت غلطة، خسرت فيها لا ميداي دور، بصح توجور جيتي شامبيون دالجيري. ترازيام فوا اللي ندير فيها شامبيون دالجيري اون تيت، والحمد لله هذه كاع الخدمة في الكلوب وكذا. S'adjugeant 8 médailles d'or, 5 pour les dames et 3 pour les messieurs, le groupement sportif pétrolier se retrouve premier au classement, dominant les épreuves de ce championnat d'Algérie individuel senior, suivi de l'USM Alger et enfin à la 3e et à la 4e place, respectivement, l'équipe nationale militaire et la sûreté nationale. Ah ben bon, encore une fois pour les médailles, je rappelle 8 médailles d'or pour le GSP, 5 pour les dames et 3 pour les messieurs. Satisfait de ce championnat national, le premier après votre élection? Je suis très satisfait de ce championnat. Ce que j'ai remarqué, il y a la motivation des athlètes, puisque j'ai donné des instructions aux athlètes, les athlètes de l'équipe nationale doivent participer à ce championnat. Ça, c'est important. Obligatoire. Alors, aucune excuse. Pourquoi? Auparavant, il y avait des athlètes, quand les athlètes d'équipe nationale ne participent pas au championnat, les autres, ils ne sont pas motivés, ils disent je sors champion d'Algérie, je n'aurai pas la chance de participer au championnat d'Afrique. Alors, cette fois-ci, j'ai exigé, j'ai dit. Tout le monde doit participer. Aucun ne me sollicite pour qu'il participe.
C'est important et ça doit servir d'exemple aux autres disciplines, notamment l'athlétisme, puisque les meilleurs ne sont pas présents des fois au championnat national. L'athlétisme et autres disciplines. Et pour donner, de, si vous voulez, un peu de muscle, pour aussi un peu le prestige de la discipline, il fallait la présence de pratiquement les meilleurs judokas du pays. Hein. Ça a été une exigence et je pense qu'avec ce point de règlement, Monsieur le Président a quand même touché du doigt un peu le problème qui se posait par durant les années passées, ce qui a un peu dévalorisé un peu les différentes compétitions. Monsieur, disons le président est rentré de plein pied un peu dans l'activité. Il n'a même pas eu le taux de chauffe et il s'est vu directement impliqué dans l'organisation de ce championnat qui à ses yeux a été expérimenté. Exactement. C'est un peu je pense qu'il faut lui reconnaître ce mérite. Hein. C'est passé de président de ligue à président de fédération. Oui, c'est un peu une promotion. C'est un peu une promotion méritée. Je pense que la grande famille du d'Algérie est très content de son élection. C'est un peu à ses yeux, c'est un peu la raison. C'est les échos que j'ai eu, compte tenu un peu de ma très proche, approche avec le judo. C'est un peu l'homme qui tombe à pic, hein, disons. Il a eu l'adhésion de tout le monde, ce qui n'est pas quand même une mince réussite. Et le fait de rassembler la grande famille, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, hein, il veut en faire de ce rassemblement pratiquement son cheval de bataille. Je suis sûr qu'avec cette approche, cette politique vue sous cet angle, il lui permettra un peu de mener à bien, de mettre en route son programme. Monsieur Joudi, selon votre expérience, pratiquement ouf de soulagement quand on a la personne indiquée au moment voulu pour. Bien sûr, tous ces tributaires. Donc, compétence, c'est le premier critère qu'on doit reconnaître dans ce. C'est non seulement compétence, mais volonté pour faire, pour donner pour la discipline. C'est ça qui est très important. Et je suis vraiment très heureux de son élection. Et je suis certain qu'avec l'idée qu'il a au départ, je pense que le jeu est en très très bonne voie maintenant. Voilà, déjà, c'est qu'il ne faut pas uniquement rassembler, il faut que les gens qui viennent à la fédération pour unifier toutes les idées, il faut qu'ils s'entendent aussi sur le même projet. Parce qu'il y a peut-être des compétences qui ne partagent pas peut-être un avis, ou surtout sur le plan pour avancer, pour préparer un programme, surtout pour les équipes nationales. Du moment que notre judo se classait à la deuxième place après le football en Algérie. Mais peut-être la première préoccupation, est-ce que le judo a gardé sa place comme deuxième sport en Algérie? Parce qu'on a, par exemple, il y a des arts martiaux qui... Disons, il y a beaucoup d'arts martiaux. Donc, est-ce que vous avez beaucoup de licenciés? Est-ce que les enfants, les parents maintenant, ils préfèrent inscrire leurs enfants dans la discipline de judo ou bien d'autres disciplines qui commencent déjà à prendre peut-être des... Je vais dire une chose. Actuellement, on n'a pas les vraies statistiques de la pratique du judo au niveau national. Pourquoi? On doit instaurer une licence assurance pour que tout le monde adhère. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas actuellement. Elle n'existe pas. Licence assurance, ça va se centraliser au niveau de la fédération. N'importe qui actuellement qui va pratiquer, le judo, dès son premier jour, il va avoir sa licence assurance. Elle sera directement affichée au niveau de la fédération. Vous aurez un fichier qui servira de sondage. Bien sûr, mais actuellement, on a dans les 60 000 pratiquants au niveau national. Très bien. Vous restez avec nous, vous connaissez le principe 52 minutes chrono, c'est également les autres disciplines et événements. Et l'autre événement de la semaine, c'est le championnat national de cross-country qui s'est déroulé. C'est la 55e édition, elle s'est déroulée à Sidi Blaabbès pour une fois avec la participation, massive de plus de 700 athlètes, 245. Évidemment, on va commencer par les résultats chez les cadets garçons. Il y a eu
la victoire de Sabr Abed qui a surpris son coéquipier de l'Olympique Beljbaïch Oussama Sharab, alors que son frère jumeau Akram Abed a terminé troisième. Chez les filles, les U18, Yasmina Boudoukha, c'était la surprise pratiquement de ce championnat national, a pris la première place, elle est de Sétif. Ahlam Aïb, donc Mfid, elle est de Msila, deuxième position. Sabrina Lagab, elle est de l'OS Kabylie, troisième position. Et les deux meilleurs de la saison, à savoir Yasmine Dahmani de Tnes et Habash Khadija de Beljbaïch, ont terminé respectivement quatrième et cinquième. Hawal Tissara a pris la première place, elle est de l'OED Mimoun chez les U20, les juniors filles. Zantar Sohila de Tipaza en seconde position, alors que chez les juniors garçons, Iman Boulainin de l'Olympique Beljbaïch, c'est l'école qui a dominé pratiquement chez les jeunes, a terminé premier devant Ali Djoudar de Indefla et Aboud Fouad, le frère des deux jumeaux Aboud, donc Ayet Sitif. Alors que chez les seniors dames, Kenza Behmani reprend sa première place. Souvenez-vous, la saison dernière, Nawal Yahi avait surpris et Kenza Behmani et Souad Ayet Salem. Et cette fois-ci, Nawal Yahi termine troisième derrière Souad Ayet Salem en deuxième position. Et chez les seniors messieurs, Aboud Rabah qui s'offre un cinquième titre devant Ali Gaïn du GS Pétrolier. Et Bourouina Kherdin de Ouled Faïd, c'est l'athlète de notre ami Sid Ali Sakhari. D'ailleurs, son équipe termine troisième par équipe. Voilà pour le championnat national de Cross Country. On passe au volleyball Wahid Abou El Hawa avec les demi-finales de Dame Coupe. Il y avait de belles affiches, notamment un remake entre le GSP et le NR Schleff, les deux finalistes de la saison dernière. Mais avant cela, on va revenir, si vous permettez, avant de parler de ce match, sur la première demi-finale qui s'est déroulée à Béjaïa, le derby entre le MBB et le RC Béjaïa. On revoit le meilleur moment, on se retrouve juste après. Même scénario que le dernier match du championnat pour ce derby de la Soumam entre le MBB Béjaïa et le RC Béjaïa. Et comme attendu, les filles du MBB sont les premières à installer le décor grâce notamment à l'expérience de la capitaine et passeuse Nawel Mansouri et Cécilia Magnana. Les protégés du coach Moulat tentent de coller au score, mais le réalisme de l'adversaire pour les garder à distance 25 à 18 au premier set. Le RC Béjaïa joue mieux au second et remet les pendules à l'heure, un set partout, 25-22, et le match est relancé. Le troisième set sera très disputé, une meilleure gestion du MBB Béjaïa lui permettra de prendre 2 points et de clore sur un score de 27 points à 25. À 2 à 1, le MBB Béjaïa devait rester sur sa lancée alors que le RC Béjaïa devait égaliser de nouveau pour espérer se qualifier. L'endurance sera du côté du MBB Béjaïa qui termine fort 25-18, un 3-7 à 1 qui lui permet d'animer la finale face aux pétrolières. Le spectacle était là. Par rapport au RCB, c'est le même scénario. Zrag championnat, les deux équipes à chaque fois, la bande coude à coude, le début du match. À un moment donné, bon, il y a égalité, mais il y a toujours le troisième, ce fameux troisième CTE qui est souvent le tournant du match. Parce qu'émotionnellement, les deux équipes, il y a la pression du match, donc elles se dépensent énormément. Et le quatrième set, le résultat, ben, la plupart du temps, on le paye cash. On a vu physiquement le RCB a carrément relâché et a baissé les bras. Et on a profité pour avoir les gains de la rencontre. D'abord, je félicite Ashkar, l'équipe qui a mérité amplement la victoire hier. Donc, l'équipe hier, Donc le facteur l'expérience est relevant, ça dit c'est une sainte l'expérience. Donc c'est ça qui a fait défaut, qui a fait la différence de le match. Ouais, bravo encore une fois pour l'équipe du MBB Béjaïa qui retrouvera le GSP qui a rencontré le NR Schleff, son adversaire de la semaine passée en championnat. Oui, c'était un match disons que le premier match quand on joue un match de championnat et après on joue un match de coupe, c'est totalement différent. Donc il y a eu beaucoup d'enjeux dans ce match et surtout l'équipe de Schleff qui a commencé à faire de la pression surtout au premier set. Donc elle a perturbé un peu le jeu des pétrolières. Elle a causé beaucoup de problèmes, surtout en attaque, surtout au bloc. Il y a eu le service qui était percutant chez les filles de Nidjmet Schleff. Il y a la présence aussi des anciennes comme Damour, comme et l'entraîneur aussi qui vit l'événement,
et Monsieur Bajbar vit le 20 mars avec les filles, mais à partir du deuxième set, les pétrolières ont installé leur vrai jeu et ont commencé à faire une pression surtout en attaque. Elles ont réussi surtout au bloc et les pétrolières ont pu quand même avoir le match vu l'expérience aussi des joueuses et aussi le riche effectif des pétrolières qui sont déjà champions d'Algérie et depuis après la 14e journée elles sont déjà championnes d'Algérie et elles optent aussi pour le doublé, donc elle va rencontrer l'équipe de l'MBB qui est aussi une équipe qui a joué auparavant, qui a eu des titres de championnat et des coupes d'Algérie, donc on aura inchallah une finale entre l'MBB et le GS pétrolier. Belle finale, monsieur Djoudi, vous avez le hauteur. Hein? À la hauteur. À la hauteur. Et la finale se jouera soit le 28 ou le 29 avril prochain. C'est le 29, confirmé. Parce que le 29, hein. Au niveau de la place, peut-être l'assemblée élective pour. Ah oui, tout dépend des assemblées générales. On fera le point tout à l'heure des assemblées générales électives et ordinaires. Les impressions à chaud, juste après ce match et cette victoire pour le GS pétrolier, Kahina, donc Chetot, l'ex-chélifien et l'entraîneur Bajbar, l'entraîneur du MR Chlef, au micro de notre collègue Leila Belfarhat. C'était le même match. Ça, au début, on n'a pas bien commencé. Ça a toujours été le même cas pour nous. Mais bon, peut-être qu'on a gagné ça, par expérience. Voilà, c'est ce que je vois. Sinon, c'est une bonne équipe. C'est une très bonne équipe qui a un bon service. Donc, alhamdoulilah, on a gagné. C'était notre but, quoi. Le فريق تاعنا فريق شاب وخصو الخبرة والفريق المجمع البترولي ذو خبرة وعنده لاعبات في المنتخب الوطني وبرسك عنده 6 لاعبات في الفريق الوطني على هذوك اللي بوا سما ديزيسيف هما اللي يعرفوا كيف يحسموهم في الأسواق. D'abord, encore une fois, pour le GSP et le MBB qui se retrouvent en finale de Dame Coupe. Sans image cette fois-ci, les quarts de finale chez les garçons, dominés par la victoire au forceps, il faut le dire, hein, du GSP pétrolier face à l'EFA Inazel 3-7 à 1-2. On va découvrir ensemble les résultats. L'étoile citifienne s'est inclinée, on va dire, bizarrement, ou bien c'était logique. On va le savoir avec notre consultant maison et Wahid Abdelhoua également qui suit de très près le volleyball pour nous, par le NR Bajbarage 3-7 à 0, alors que c'était initialement la fiche de ces quarts de finale. Le RCM Silla qui s'incline au tie-break devant le MBB Jaya 3-7 à 2 et l'Olympique Media qui bat le Porsche 9 pour se qualifier au demi-finale 3-7 à 1. Là également, on aura deux équipes du MBB Jaya chez les dames et chez les messieurs au prochain tour de Dame Coupe. Alors, votre avis déjà, Benoît Belkhair, sur la défaite de l'étoile citifienne dans l'affiche face au NR Bajbarage, le voisin, le derby de haut plateau. Enfin, de toute manière, il n'y a pas cette saison, il y a un nivellement de valeur. Il n'y a pas d'équipe pratiquement qui joue le rôle de pouvantail, qui domine d'une manière outrageuse un peu la compétition. Et de ce fait, je dirais que la défaite de Sétif face à Bajbarage ne relève pas de la surprise, hein, proprement dite. Bajbarage quand même qui reste une équipe très, très compétitive, très performante. Donc, c'est tout le volleyball qui profite de cette concurrence un peu intéressante qui pourrait peut-être permettre au volet algérien de prendre une toute autre dimension. Non, on attendait l'Assemblée Générale quand on a deux belles affiches GSP NR Bajbarage pour les demi-finales et alors que le MBB Jaya jouera face à l'Olympique Milia. Entre temps, un seul participant algérien au championnat d'Afrique des clubs, c'est la 35e édition, ça sera à Tunis à partir du 17 de ce mois. 17 de ce mois, donc il y a le représentant algérien, c'est l'équipe de Bajbarage. L'équipe de Bajbarage,
a toujours tracé comme objectif durant pratiquement 5 années de dépasser le palier national pour participer à des compétitions surtout arabes et africaines. Et comme l'enjeu il est plus important quand une équipe africaine participe dans un championnat, une équipe algérienne participe dans un championnat africain, donc l'enjeu il est encore meilleur, parce que si on compare le championnat arabe, comme le GSP a participé la dernière fois au championnat arabe au Caire, mais on ne sent pas le niveau arabe, parce qu'il y a des équipes arabes qui ramènent des compétences étrangères. On remarque par exemple l'équipe de Sadl Qatari, Jesh Qatari, pardon, qui avait pratiquement les 6 rentrants, c'était des Brésiliens, des Russes, des... Donc on n'arrivait jamais à je ne dirais pas identifier, mais à évaluer le niveau arabe. Mais dans une compétition africaine, il y a plus d'Africains dans les clubs, même s'ils ramènent un ou deux joueurs. Et concernant l'équipe de Borj Barij, je rappelle aussi que l'équipe de Borj Barij qui a commencé à jouer, elle était dans la poule B avant la troisième phase. Donc l'équipe jouait avec des équipes moins que les autres. Donc c'était une phase de préparation l'équipe de Borj pour préparer le championnat, et elle prépare aussi la coupe d'Algérie. Elle a réussi à battre le SSCTIF, qui est une très bonne équipe. Il y a plein de joueurs qui font partie de haut plateau, qui sont CETIFiens, et l'équipe de Borj elle va rencontrer le GSP qui a perdu contre Borj la saison passée. Donc le Borj il détient déjà le doublé et il compte participer à ce championnat pour arriver au carré basse ou avoir une place au trophée, parce qu'il y a une participation très très importante, surtout le club qui domine la compétition, c'est le Al Ahly du Caire, qui a eu 14 qui a 11 titres, 11 trophées dans ce championnat. Il va prendre parti avec d'autres équipes comme l'Espérance du Sahel de Tunis, le club organisateur. Donc la compétition sera vraiment une compétition très... Le tirage au sort de cette compétition, championnat d'Afrique des clubs champions, aura lieu le 16 mars à partir de 17h. Ce sera à Tunis. Bonne chance à Omar Borj Barij. Transition, on se retrouve juste après pour la seconde partie. Puoi avere le braccia di Ercole e gambe veloci come il vento. Puoi sollevare le spalle sopra il canestro. Avere lo slancio di un delfino, i riflessi di un gatto. Puoi avere tutto questo e avrai il fisico. Gli strumenti, ma non avrai la grandezza finché non capirai che il muscolo più forte è il cuore. Per me questa è l'anima delle Olimpiadi. Dans cette deuxième partie, nos assidus téléspectateurs ne vont pas quitter leur chaise pour la partie nostalgie, puisqu'on va parler de handball et la famille du handball d'une manière générale qui a été réunie samedi à la salle Hacha. La famille du handball, la famille du handball a été regroupée à la salle Hacha, rassemblée. C'est grâce à l'amicale algérienne, des anciens handballeurs d'Alger, à leur tête le président Mohamed Aziz Darwaz et son assistant, je précise, la vice-présidente qui tenait à donner un plus à l'amical, c'est Madame Boukrocha, c'est la joueuse Kayouch Fula. Elle a beaucoup d'expérience. Voilà, Monsieur Doudi était présent aussi. Et pourquoi le choix de la salle Hacha? Peut-être c'est par rapport à ça pour Monsieur Larras. Donc c'est surtout parce que c'est nostalgique. Voilà, le titre, c'est joueur. Bonne émotion, Monsieur Doudi. L'occasion de ce tour. J'ai eu l'occasion de certaines filles que j'ai pas vues depuis 30 ans, 35 ans peut-être, et qui sont quand même. C'est dommage. Bon, j'ai une pensée quand même à deux de nos joueuses qui sont décédées maintenant. Allah irhamhum, c'est Abbasia et puis Boualem, la gardienne. Vous avez entraîné. Que j'ai entraîné, qui a participé, qui était aussi dans l'équipe de 78.
ce qui était la provocation de l'émotion, c'est cette retrouvaille surtout. Mmh. Il n'y avait pas seulement les filles de 78, même celles d'avant, celles qui étaient dans les années 73, 74, mais, et même d'autres après qui avaient pris la relève. L'équipe de Cotonou, l'équipe de Cotonou. Oui, ça a été une véritable sphère de contact, de retrouvailles, hein, qui a été placée sous le signe de la joie, de l'émotion et de la nostalgie. Le sport, les handballeuses que j'ai connues, un peu la majorité d'entre elles que j'ai connues alors qu'elles étaient jeunes, hein, ça remonte le titre, hein, qui a été gagné. Moi, je les ai connues bien avant, on les a connues dans la fin des années 60, hein, mais ça a été fait un peu parce que ces filles-là entretiennent, malgré un peu elles ont pris un peu la distance avec l'activité et entre elles, elles ont entretenu quand même une sincère amitié, et je suis sûr que c'est dans ces souvenirs-là qu'on pourra combattre la politique de l'oubli, et c'est dans le souvenir, c'est dans les bons souvenirs qu'on arrive à avoir un creuset, le creuset de notre bonheur à nous tous. Monsieur Larès, qui est venu avec l'objectif de réunifier la famille du judo, est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'ancienne famille sportive algérienne, qu'elle est plus solide que l'actuelle? Question. Non, il y a une continuité. On peut dire qu'il y a une continuité. Mais ce qu'il y a... On a perdu un petit peu nos valeurs. Oui, ouais. C'est ça. Mais actuellement, on est en train d'essayer de diminuer les querelles entre le conflit entre voilà. Alors c'est très facile. Normalement c'est très facile. Pourquoi? On peut avoir... partage le même principe. Voilà. On va vers le problème. On peut avoir une concertation. Il faut qu'il y ait une concertation entre nous. C'est pas. Vous avez des idées, j'ai des idées, mais on doit. On doit unir nos idées. Pour la bonne cause, un seul objectif. Un seul objectif. Voilà. Il faut pas voir les intérêts personnels. Voilà. Pour ajouter peut-être à cette discussion, c'est que à Hacha, ce que j'ai remarqué parce que j'ai assisté, c'est qu'il y a eu, des générations des années 60, 68, comme Baya Bouhalissa, comme Madame Aqila Al-Kema, Bouras Kiltoum, Madame Hachmi Al-Firdma. Et il y a eu la génération qui a eu la médaille d'or. Et il y a eu aussi les générations, les autres générations. Parmi ces générations, il y a eu les filles qui ont participé, qui ont eu la deuxième place au championnat d'Afrique de Cotonou en 96. Et avec M. Djoudi, donc ces filles-là, elles sont devenues des entraîneurs, des petits clubs. Elles sont en train elles font un travail de fond à la formation pour rehausser le niveau des... Est-ce que les autorités doivent comprendre, c'est-à-dire les responsables de la discipline, c'est donner la chance à ces filles qui ont œuvré pour leur bien sûr, la transition. Et la transition, voilà. Monsieur Djoudi, un sentiment certainement de fierté quand vous avez revu les anciens? Ouais, je l'ai dit déjà là-bas, parce que j'ai dit que j'ai eu un sentiment de fierté et d'honneur d'avoir été leur entraîneur, parce que j'ai eu énormément de satisfaction, et je tiens à ce stade de remercier beaucoup beaucoup l'amical, et uniquement l'amical, parce que c'était des oubliés. Depuis qu'elles ont terminé, personne n'a parlé de cette équipe. Il a fallu que l'amical fasse leur donne cette idée lumineuse de les honorer ce jour-là, et je tiens à remercier le président et l'ensemble de l'amical pour ce geste qu'ils ont fait qui m'a personnellement touché très 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 très, très fort. L'émotion, on la sent à travers vos dires, on va la découvrir encore plus à travers le reportage que nous a réalisé Walid Belhouam, mais juste revenir sur Abdelhamid Belkhel, qui a connu cette famille durant les années 60-70. Ah, oui. Je ne sais pas, c'est peut-être pas par nostalgie, je dirais que le sport de jadis véhiculer des valeurs qui se perdent ces derniers temps. Avant, tout le monde prenait un peu l'union sacrée, on défendait l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel, on défendait les valeurs
de solidarité, de partage, de respect d'autrui, de discipline intérieure. Et maintenant il y a un autre enjeu, il y a l'argent qui coule à flot, ce qui peut-être a créé certaines dissensions, a créé certains conflits, certaines guerres de tranchées qui ne servent plus le sport algérien. Donc je suis persuadé que c'est l'argent qui... Je le dis crûment et d'une manière ou d'une autre, c'est l'argent qui a un peu gangréné un peu l'atmosphère. Heureusement d'ailleurs qu'il y a les faiseurs de bonnes choses comme les associations, les amicales pour remonter le temps et rassembler les anciens qui ont fait le sport algérien. Et cette fois-ci, on parle de handball et vous allez découvrir par vous-même et constater l'ambiance qu'il y avait à la salle Hacha à l'occasion de cette réunion, on va dire, familiale. Il y a celles qui les ont précédées et celles qui ne sont plus de ce monde. Les Guidouche, Belhiwan, Marmoul, Daoudi, Gelfa, Habili, Ben Hamouda et j'en passe. Des images qui reviennent. Je me rappelle de cette période où on était jeunes, on était fous du sport. On se donnait corps et âme pour le handball féminin et on est très content d'avoir participé et représenté la femme algérienne à l'époque. De nous retrouver dans cette enceinte parce qu'il y a tous les souvenirs qui remontent à la surface. Et il faut dire que le handball, c'était une grande, grande famille, que ce soit les filles ou les garçons à ce moment-là. Et pour nous, d'ailleurs, je me rappellerai toujours ce que nous disait notre entraîneur, M. Djoudi, l'Algérie avant tout. On a été quand même championne d'Afrique en 78, vice-championne en 81 contre la Tunisie toujours. On ne peut pas oublier ces années-là. Le geste Hadat à Mme Kayouch, c'est nous a touchés, c'était extraordinaire. Ça nous a permis de se retrouver, de revoir notre ancien entraîneur, M. Djoudi. C'est un plaisir, c'est un très grand plaisir. Ces handballeurs d'Alger les a honorés pour leur premier sacre dans l'histoire. Et c'est un honneur pour nous de pouvoir mettre en valeur et en évidence ces championnes qui, à une autre époque, devaient donner énormément, tellement parce qu'il y avait moins de moyens. La jeunesse est là. Mais nous, on a existé. On est encore là. Bravo à ces dames qui ont tracé le chemin de la gloire depuis l'indépendance. Bravo à celles qui continuent à œuvrer pour une génération nouvelle de la petite balle au féminin. Ah, très belle ambiance à la salle Hacha. On vient de voir l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Aziz Derouaz. Le mieux titré, on va dire, avec ces 5 titres africains, Wahib al-Hawa. Déjà, bravo pour ce reportage. Vous avez bien placé le temps, l'émotion, et vous avez les larmes aux yeux, puisque vous avez connu cette époque, et c'est pour ça qu'il y a eu de l'émotion dans votre commentaire. Une fois, j'ai été banque, c'était pour couvrir l'amicale, et j'avais beaucoup de matière, et j'ai encore beaucoup de matière. Est-ce que je vais faire un sujet pour les enfants, pour les enfants des petites écoles qui sont à USND, qui sont à G-Centre, qui sont un peu partout. Donc, comme a dit Mme Kayouch, comment donner le flambeau à certaines. C'est-à-dire, les filles, elles sont là. Même les petits handballeurs étaient là, des écoles d'Alger, donc ils étaient là pour suivre
pour voir qui sont ces femmes. Il y avait même toutes ces femmes-là, et c'était l'idée aussi de Kamal Kerman, de les mettre, notre caméraman, de les mettre avec les enfants pour discuter et pour expliquer un peu leur expérience, comment elles ont combattu pour avoir cette médaille d'or. Ce n'était pas facile. Et il y avait des défis aussi, des minis qui pleuraient, qui avaient les larmes aux yeux. Donc, ils écoutaient et elles étaient très, très attentives. Et c'est-à-dire, c'est un peu rendre tout ce qui... L'événement, c'est rendre, comment dirais-je, c'est le nationalisme en lui-même, comme a dit, mis en valeur, elle a bien expliqué Guidouche, l'entraîneur leur disait c'est l'Algérie avant tout, donc il faut penser à la médaille, il faut penser à l'Algérie, il faut penser à tout ça avant de penser à l'argent. Vous avez la même quantité de l'arbre qui va traverser aujourd'hui. Non, c'est toujours les mots. Je profite pour un petit coucou à notre ami Nordine Hamdi qui a beaucoup donné pour le handball féminin et masculin en Algérie. Bien sûr, lui, il y a beaucoup de gens qui ont. Vous savez, j'en discutais tout à l'heure avec Belkhir. Lorsqu'on est arrivé à ce stade, il y a un deuxième paramètre qui est très important, qu'il ne faut pas oublier. C'était l'organisation du sport scolaire et universitaire. Point de départ. Il y avait un championnat. Structuré. L'organisation elle-même, puisque déjà au niveau du ministère, il y avait deux sous-directions. Une sous-direction des sports civils et une sous-direction des sports scolaires. C'est-à-dire que l'organisation démarrait de là-bas. Et l'entraîneur national avait toute latitude pour venir avec une pelle et ramasser les athlètes. Ce qui fait que celle de 78, il n'y en a pas une qui n'est pas d'un coin d'Algérie. J'en ai même pris de Bougara, de Tiaret, de Constantine, de Annaba, enfin, elles étaient de partout. Mais ça, c'est grâce aussi, il faut le dire, grâce au sport scolaire universitaire. Et si tu te souviens, on a fait partie de cette catégorie de sport scolaire. Ou une Kanmak, je l'ai dit tout à l'heure, même Khalif Abdelkrim, qui était au lycée sportif, qui a donné aussi pour le sport scolaire. Et je pense, à mon avis, c'est ce que je clame depuis des années, je crois que même lui en a parlé, si on ne revient pas à ce système de sport scolaire, on ne pourra pas. Il faut qu'il y ait de la masse. Pour qu'il y ait de la masse, pour qu'il y ait de l'élite plutôt, il faut qu'on revienne à ce système de sport scolaire et universitaire. Ça vous donne des idées sur la race, oui. Vous connaissez ce principe? Je l'avais vécu. À l'époque, j'étais prospecté par le sport scolaire. Mm-hmm. Alors, la finition de raison, monsieur. Même actuellement, avec monsieur le président de la fédération scolaire, on s'est entendu de travailler ensemble. Notre direction technique, quand elle fait ses réunions, je lui ai dit qu'on invite un responsable, qui est le responsable du judo au niveau du sport scolaire, il va assister aux réunions de la direction technique. Bah, comme ça, il y a une coordination entre les deux fédérations. C'est défini une coordination. Allez, on quitte un petit peu l'émotion pour parler. L'émotion, il y a aussi notre petit Amine qui a participé aussi à la conception du sujet. Donc, tout est nostalgique. Ouais, c'est comme un chat, il est partout, lui. Il tombe toujours sur un séjour, le petit Amine qu'on salue. Au passage, merci pour son aide précieuse. Donc, la compétition à Bab el-Houa, on va parler play-down, mais quatrième journée des play-down. Là, également, la bataille fait rage, notamment dans une affiche que vous allez voir avec Fodé Nordi qui va nous balancer les images entre le MB Tejnet, qui occupe la première place en compagnie du MC Saïda, qui a donc reçu le Handball Club d'El Bihar qui se bat pour sa survie en division excellence. Oui, l'équipe d'El Bihar qui a raté en play-down, c'est l'équipe qui a raté de peu la Coupe d'excellence pour se qualifier au play-off et qui essaye de se rattraper pour réintégrer encore pour arriver à maintenir le club au niveau de la division 1 et surtout après le retour de Achor Hassani et Lamin Sahli aussi qui ont commencé avec l'équipe auparavant. Donc, le match. Score, donc, au première mi-temps, donc, l'avantage pour le MB Tejnet, quoique le jeu était équilibré en première mi-temps, à Tejnet qui a
pu prendre un petit ascendant 10 à 9 avant que la deuxième période, on a vu donc un jeu équilibré jusqu'à la 15e minute. Et à partir de la 15e minute, le Bitejnet qui prend son envol et prend un écart de 4 buts d'écart, 26 à 22, pour occuper conjointement la première place avec le MC Saïda, alors que Biar est toujours quatrième, Elouad, l'Olympique Elouad, et à la troisième position. On découvre, donc avant de découvrir les résultats, un bon geste de la part de la Fédération algérienne de handball qui a honoré les deux jumelles, les deux arbitres du handball algérien, donc les Ben Fatima. C'est des arbitres avec le boss qui a l'image, qui les a honorés également, le directeur de l'organisation sportive Morad Aitrassi. Des fois quand il y a des bons gestes, on en parle, et des fois quand il y a des choses négatives, on est là pour en parler. Les résultats des playdowns, on se retrouve pour la suite de ce 22e numéro. Voilà, oui. C'était les résultats de la quatrième journée des playdowns. Voilà pour ce qui est du handball. La deuxième partie, avant de revenir sur le judo et le handball, la Fédération algérienne de basketball qui dévoile le programme du tournoi qualificatif, tournoi aller, qui est qualificatif à l'afro-basket, qui se jouera jeudi, vendredi et samedi à la salle de Stavely. Jeudi, Tunisie-Maroc à 17h à Stavely. Vendredi, au même lieu, Algérie-Maroc pour une superbe affiche à 17h. Algérie-Tunisie le lendemain à 17h. Et le deuxième tournoi aura lieu le 24 de ce mois à Tunis. Difficile objectif pour les Algériens, puisque seules les deux places sont qualificatives à l'Afro-Basket. On essaie de retrouver le lustre d'antan et au moins revenir au niveau, surtout après l'élection de M. Ali Slimani à la tête de la Fédération algérienne de basketball. Les deux rencontres Algérie-Maroc et Algérie-Tunisie seront retransmises vendredi et samedi à 17h sur Canal Algérie. Abdelmour Belkhir, le basketball algérien qui essaie de retrouver un petit peu ses repères à travers ces deux tournois qualificatifs, mais la tâche elle est vraiment difficile vu qu'il y a le Maroc et la Tunisie. Oui, il faut le dire tout net, hein, le basket algérien qui a été perturbé un peu par les incessants remous qui ont secoué la grande famille, a quelque peu perdu de son allant, il a quelque peu perdu de son pied, et là il se doit de reprendre du poil de la bête. Et malheureusement, cette compétition est tombée un peu trop tôt et je pense que le 5 algérien aura énormément de difficultés à mener à bien sa mission compte tenu de la rude concurrence qui l'attend avec nos frères maghrébins, tunisiens et marocains. Mais je pense que les Algériens qui auront quand même mettront beaucoup de cœur à l'ouvrage pour peut-être satisfaire un peu leur ambition qui, même si elles ne sont pas totalement affichées, auront à cœur de plaire au public et qui sera très certainement nombreux à la salle de Stavely qui est sur qui le basket algérien a toujours compté. Et il y aura peut-être un stimulant positif pour l'équipe nationale, pour le 5 national, puisqu'on annonce l'arrivée de Mahdi Chalit. Il est déjà là pour renforcer le rang. Signé au GSP. Hein. Qui a signé finalement au GSP et pas à l'Union Citifienne. Mahdi Chalit également. Pas Hadim Karam, mais surtout celui qui joue à Dubaï, le joueur, l'ex-joueur du GSP pétrolier, Harat, Mohamed Harat, voilà, je retrouve son nom, le pivot algérien, l'un des meilleurs joueurs algériens. Bonne chance à l'équipe nationale algérienne. Le point sur les assemblées générales qui se sont déroulées ce week-end, l'élection de Mohamed Hakim Bouradou à la tête de la Fédération algérienne de natation, félicitations. Fédération algérienne de taekwondo, M. Tiabi, reconduit à la tête de cette fédération. Shihab Bahloul, lui également, reconduit à la tête de la fédération de sport mécanique. Assemblée générale élective d'athlétisme reportée
reporté, souvenez-vous, jeudi dernier. Finalement, elle se déroulera jeudi prochain, le 16 de ce mois, à partir de 10h, toujours à l'Agence nationale des loisirs de la jeunesse de Zeralda. On n'avait pas évoqué les raisons du report, mais cette fois-ci, normalement, ça sera la bonne à jeudi prochain. Donc, on va attendre le réélu de cette fédération. Mais apparemment, pour l'instant, il y a un seul candidat qui manifeste son désir de prendre les rênes de la fédération, c'est M. Dib. Hein, donc, je pense que ça passera pour lui comme une lettre à la poste, compte tenu du retrait en dernière minute de Yassine Wael qui n'a pas jugé utile de terminer un peu son objectif. Hein. Il y a eu aussi l'élection de la fédération des sports handicapés. Oui, également. Il y a eu l'élection de Mohamed Hachfa, que j'ai eu comme élève. Je pense même l'ancien était votre athlète. Mon ancien athlète a été mon élève aussi. Je pense qu'avec l'élection de M. Hachfa, je pense que le programme qui sera mis en route par la fédération atteindra quand même les objectifs assignés. Parce que M. Hachfa, quand même, qui est un charmant garçon, n'est pas étranger au secteur. Ça fait 20 ans qu'il est au service de l'activité des sports pour handicapés. Un fait insolite à la Fédération algérienne de rafle et billard, puisque, souvenez-vous, il y a quelques jours, l'Assemblée générale avait refusé les deux bilans moral et financier de l'actuel président, à savoir M. Maïdi. Ce dernier formule un recours au ministère de la Jeunesse et des Sports. L'Assemblée générale ordinaire est refaite, et cette fois-ci, la même Assemblée adopte les deux bilans. Un fait insolite, bizarre ou bien... Un fait insolite. Ça provoque le sourire, mais ça ne peut exister que chez nous. Je ne sais pas s'il faut pleurer ou rire, mais je pense que au début, je pense que c'est contre toute attente hein, que le bilan a été refusé une première fois, hein, parce que le bilan du bureau fédéral donne l'impression d'être quand même à la hauteur des attentes de tout un chacun. En se sentant lésé, le président sortant a formulé des réserves et a demandé au ministère d'intervenir. Le ministère a demandé à la fédération de revoir la copie en organisant une autre assemblée. Et cette fois-ci, l'Assemblée générale a voté pour le ministère a demandé des justifications. A demandé des justifications et comme justification. Justifie ce qui était quand même insensé. Hein, c'est un non-sens pour moi. Et je pense que c'est quand même une histoire à dormir debout. L'Assemblée générale a été avancée au 16 mars à partir de 14h au centre des fédérations sportives de Deli Ibrahim. Voilà pour le point des fédérations. On revient à notre invité, M. Rachid Laras, président de la Fédération algérienne de judo. Principal objectif, on ne va pas parler de cette année, mais beaucoup plus de l'année 2018, puisqu'il y a les GAJ et les JOJ, les Jeux africains de la jeunesse et les Jeux olympiques de la jeunesse. Inch'Allah, pour cette année. Dans un mois, on a le championnat d'Afrique. Alors, ça ne va pas être notre... On ne peut pas, dès maintenant... Opérer des changements. Voilà. Je ne fais pas opérer des changements. Mais il y a un grand chantier qui nous attend, surtout sur la formation. Il faut revenir à la base. Il faut tenir compte de la base. Ce que les gens ont oublié et ont délaissé dans la plupart des ligues et des fédérations. C'est ce qui est peut-être les mauvais résultats peut-être. Je vais dire une chose. Ces derniers temps, on est en train d'installer des entraîneurs au niveau des clubs, au niveau des petites associations et tout. Ils ne sont même pas diplômés. Alors ils n'ont aucune mention sur la discipline. Alors comment veux-tu qu'on va former des jeunes Et surtout, peut-être rajouter à ça, surtout que le règlement du judo a changé. Ouais. Donc même au niveau de l'élite, peut-être il faut penser à ramener des experts pour améliorer le niveau de nos judokas. Même au niveau de l'élite, normalement, on a eu un protocole d'accord avec le comité olympique pour ramener un entraîneur japonais. Pour l'équipe nationale. C'est la meilleure école d'après vous ? Oui, c'est l'école japonaise. C'est les fondateurs, les créateurs du judo, là.
Et quand on a le judo, on ne va pas chercher à voir le judo au japonais. Même nous, les Algériens, on a l'impression le style des Japonais. Parce que nos athlètes ont passé beaucoup de temps pendant l'époque de Sanimasuwa. Comment vous avez vécu la période où vous êtes entre les Jeux de Pékin 2008, les dernières médailles du judo algérien et les derniers Jeux de Rio? J'ai pas compris. La période où il n'y a pas eu de médaille olympique. Ouais. Comment vous l'avez vécu en tant que président de ligue déjà? Je l'ai vécu, mais il y avait un travail qui se faisait au niveau de la ligue. Moi, mais quel est votre regard en tant que futur observateur, on va dire que futur président? Je vais dire une chose, il n'y avait pas assez de travail pour les équipes nationales. En prenant le cas actuellement, ça fait 11 mois, aucun stage de préparation. Alors comment veux-tu qu'on va... On prépare l'événement, on ne prépare pas à long terme, on s'entraîne une heure et demie par jour. Et des fois, ils ont trois séances de judo par semaine. Alors comment veux-tu, on va chercher des le haut niveau. Et on avait le haut niveau. On avait le haut niveau. Les années 80, un champion du monde. Il n'y avait pas une continuité, madame. Il n'y avait pas une continuité. C'est ça le hic. Ça n'avait pas une continuité. Alors pour arriver au haut niveau, il faut s'entraîner quotidiennement. Il faut qu'on revienne à l'époque où il y avait les ASP, au niveau de la réforme, la prise en charge des athlètes. Il faut créer des pôles de développement. Du travail sur la planche. Monsieur Djoudi, là vous êtes, vous l'avez dit, en retraite depuis quelques années. Et là, vous assistez avec grand plaisir à de telles opérations, à savoir les gestes de l'amical. On peut savoir votre programme d'ici ou bien peinard, vous restez un observateur? Moi, j'observe et je vois. En 30 secondes, puisque c'est bien fait. J'ai toujours été un citoyen au service du mouvement sportif national. À chaque fois que la demande a été faite, j'ai répondu positivement, pour l'Algérie et pas plus. C'est tout ce que je peux dire. Et... voilà, pour la jeunesse. On retiendra ces belles paroles de M. Djoudi. Ça a été un honneur de vous avoir parmi nous, également M. Naras. Je vous souhaite beaucoup de courage et de réussite. Merci pour tous vos reportages que vous avez réalisés. M. Abdelmour Bekhé également pour ses précieuses analyses qu'on retrouvera avec grand plaisir lundi prochain. Merci à Ofa Lawati, notre réalisatrice. Faudel Mourdin, notre script. Tous les techniciens du studio numéro 7 qui ont veillé à la réussite de cette émission et qui sont là depuis 6h du matin, on les encourage. Merci et grand bravo, à lundi prochain.